Je voulais parler à Soya du secret, le secret de la santé divine. On nous dit santé divine. Dis ça plus fort, dis santé divine. Bah, attendez, dis le temps qu'on croit que bon Dieu a baoul, dis santé divine. Ok. Je voulais parler le secret de la santé divine. Moi t'ai partagé avec nous l'homme t'est sorti dans tant de jeûnes prolongés que m't'ai gagné en mois au mois d'août jusqu'à octobre. Moi t'ai dit nous yon na bagay que bon Dieu t'est révélé pendant tant de jeûnes ça. C'est que il t'a dit me comme ça que ça l'voulait pour peuple. C'est pas seulement la guérison. Moi te dis nous comme ça que bon Dieu ba la guérison primordialement comme un instrument d'évangélisation. Bon Dieu ba la guérison primordialement comme un instrument d'évangélisation. C'est ça que fait tout côté où garder où est Jésus voyait disciples à prêcher l'évangile. Ou gade dans Matthieu 10, ou gade dans Luc 10, ou gade dans Actes des Apôtres 1er, et tant d'autres passages, ou après remarquer l'elle voyait peuple à prêcher l'évangile, yon nan bagay que le bali, et bien il dit prêcher, dit que le royaume des cieux est proche, et puis il dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Donc la majorité du temps dans la Bible, côté où est commandement de guérison, bail, l'y accompagner de la prédication de l'évangile. Donc, il est vrai que bon Dieu guérit peuple, sous malade, la guérit, assoyez à la nouvelle prière pour guérison, ou malade, la guérit. Mais cependant, la guérison est donnée primordialement comme un instrument d'évangélisation. La volonté de Dieu pour son peuple, c'est un bagaille qui mieux que la guérison. Ça, bon Dieu voulait, parce que si ou besoin la guérison, c'est que ou malade. N'est-ce pas? C'est pas ça? Si ou besoin la guérison, c'est que ou malade. La volonté de Dieu, c'est pas seulement pour son peuple, c'est pas seulement la guérison, mais la volonté primordiale de Dieu pour son peuple, c'est la santé divine. On nous dit santé divine. Dis-le tant qu'ouel, santé divine. Yes. C'est ça que fait, il dit dans l'apôtre Jean a écrit, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et puis, qui ça le dit, sois en bonne. Qui ça le dit, sois en bonne. Sois en bonne. Sous besoin de la guérison ou malade. Mais si ou en santé ou pas malade. Que bon Dieu bon la santé divine à soi. On dit que bon Dieu bon la santé divine à soi. Ma prédoulée encore, tant qu'on croit. Dis que bon Dieu bon la santé divine à soi. Le bon Dieu parle avec par rapport à ça. L'idée dit comme ça que ma volonté, ma volonté pour mon peuple, c'est la santé divine. Mais il te dit malheureusement, peuple moyen pas connaît les lois de la santé divine. Yo pas connaît les lois de la santé divine. Donc, m'brale, gon bagay m'souvent dit, et pas jamais oublier ça. Moi dit, bon Dieu fait miracle, mais il gouverne l'univers par des lois. Notez ça m'dit, bon Dieu qu'on fait miracle, et il fait miracle, mais cependant, il dirige l'univers par des lois. Donc cela veut dire, lorsque vous voulez marcher dans le surnaturel, vous avez besoin de découvrir les lois qui régissent, les lois surnaturelles qui dirigent le domaine qu'on a dans l'an, et puis vous avez commencé à marcher dans le surnaturel. Est-ce que ça va? Ok. So, bon Dieu te dit comme ça que vous voulez la santé pour peuple. Moi, malheureusement, moi, pas connaît les lois de la santé divine.
Dans temps de prière, moi, bon Dieu te dit qu'on a gagné trois catégories de lois. Il y a trois catégories de lois surnaturelles que le peuple moins besoin qu'on ait pour être capable de marcher dans la santé divine. Premièrement, il y a besoin qu'on ait les lois physiques de la santé. Deuxièmement, il y a besoin qu'on ait les lois psychologiques de la santé. Troisièmement, il y a besoin qu'on ait les lois spirituelles de la santé. Nous allons samedi, hein? Bon Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais l'Éternel dit qu'il y a trois niveaux de lois qu'on a besoin qu'on ait. Ou besoin qu'on ait les lois physiques de la santé. Ou besoin qu'on ait les lois psychologiques de la santé. Ou besoin qu'on ait les lois spirituelles de la santé. Est-ce que ça va? All right. Let me have three people from the worship team. Besoin trois moun dans l'équipe d'adoration. Nous connaissons plusieurs fois, m'a enseigné la Bible, m'a enseigné là, me rappelez-nous 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 23. Côté, il dit comme ça, il dit, moi prier que bon Dieu sanctifie nous totalement. Et puis il dit l'esprit, il dit l'âme, et puis il dit le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, chaque aspect sa yo nan yon moun, chaque moun ki chita la, Grégory wap gade Grégory physique, mais en dan Grégory sa gen deux lot Grégory encore. Gen yon ki rele nam nan, gen yon ki rele santé ya. Sa wap gade ya la, c'est seulement corps la. Maintenant, chaque Grégory sa yo pote propre vie pa yo. Combien moun ki son enseignement sa? L'esprit porte sa vie, n'est-ce pas? L'âme porte sa vie, le corps porte sa vie. Maintenant, mais qui ça me darait mon comprendre dans chaque vie ça yo? Nous songe me dit dans la Bible ça c'est le mot zoé, là c'est le mot psyché, là c'est le mot bios. Chaque gagne vie pa yo. Maintenant, mais qui ça? Bon Dieu parle avec moi pendant tant de prières et de jeûnes que je me dégagne. Li bay l'homme capacité. Chaque vie sa yo, yo alimenté yon jan. Kou gon jan l'alimenté. Namou gon jan l'alimenté. Et esprit yo gon jan peut l'alimenté. Et jou fè yon négligence nan n'importe, suivez-moi bien, oui? Ou gen l'esprit, ou gen l'âme, ou gen le corps, n'importe nan trois sa yo, sou fè négligence là-dedans yo, ka provoke yon maladie qui manifeste nan corps. Mon tali sa m'a dit là, est-ce que toute l'église a suivi moi? Fais même j'ai avec pasteur Sanogo, sou kopon sa m'a dit. All right. Gen maladie ou gen qui sorti dans le corps. Gen maladie ou gen qui sorti dans l'âme. Gen maladie ou gen qui sorti dans l'esprit. Nous t'en disons samedi, hein? Ma pour reprendre. Gen maladie qui sorti dans le corps. Gen maladie qui sorti dans l'âme. Gen maladie qui sorti dans l'esprit. Maintenant, ça on besoin comprendre. Quel que soit côté maladie a sorti, l'a manifesté dans le corps. Est-ce que ça va? Yeah. Si son maladie qui sorti dans le corps, l'a immédiatement manifesté dans le corps. Mais qu'on s'attend, ou bien doit briser certaines lois de l'âme, certaines lois de l'âme, et puis bon, yon maladie, éventuellement, maladie ça a bien manifesté tout dans le corps. Jodi a, dans la médecine, yo parle en pile de maladie psychosomatique. Psychosomatique, li vini de psyché en grec. Psyché en grec signifie âme. Somatos signifie corps.
psyché somatos, psychosomatique. C'est une maladie qui sortit dans l'âme et puis manifestée dans le corps. By the way, la médecine fait nous connaître que à peu près 70% de maladies, c'est maladies psychosomatiques que y a. Près de 70% de maladies, c'est maladies qui sortent dans l'âme. Stress, colère, manque de pardon, raïmoun, etc. Yo sorti, yo commencé dans l'âme et puis yo manifesté dans le corps. Est-ce que ça va jusqu'à présent? All right. Et finalement, quand on a une maladie qui sorti dans l'esprit, donc, suivez-moi bien, oui, une maladie qui a sorti dans le corps, il est capable de sortir dans l'âme, il est capable de sortir dans l'esprit. Donc, ou qu'a fait une négligence dans le corps, et puis il y a une maladie. Tout à l'heure, on va l'entrer dans ça. Ça veut dire, ou qu'il doit non zone, ou qu'il doit vivre un côté, par exemple, ou qu'a fait négligence dans le corps, ou qu'il vivre un côté, pas une bonne hygiène. Ou manger n'importe bagaille, ou manger n'importe côté, environnement sale, etc. Ou capable de gagner une maladie ou prendre qui commence dans le corps. Li seulement connecté avec l'environnement. Est-ce qu'on a demain? Li capable d'environnement, li capable de prendre de marcher, et puis, ou frapper pied, ou, et puis tomber, et puis le bon problème dans le corps. Ça veut dire ça sorti dans le corps. Gagner qui sorti dans le corps, gagner qui sorti dans l'âme, et puis gagner qui sorti dans l'esprit. Les maladies sorties au niveau de l'esprit, li souvent manifesté comme un esprit d'infirmité. C'est ça, il y a un esprit d'infirmité. Souvent, maladie qui commence là, yo, maladie ça, yo, c'est maladie démoniaque, c'est maladie spirituelle et c'est maladie que docteur pas qu'à détecter. Est-ce qu'on avait même? Ça, c'est maladie spirituelle. Maladie qui sortit dans l'esprit, ou gè doit ouais. Moune la le sentil malade, mais tout côté la docteur, et puis tout docteur dit tout symptôme li bon. Cependant, lui-même li sentil malade. Ça veut dire, li rentre non niveau qui pi ou passe docteur. Parce que docteur étudie le corps, psychologue avec psychiatre étudie l'âme, mais c'est seulement bon Dieu qui compte sa cap passer dans l'esprit. Est-ce qu'on avait même? Yeah. Donc, moi je vous lis encore, oui. Docteur étudie le corps, psychologue, psychiatre étudie l'âme, mais c'est bon Dieu qui connaît l'esprit. C'est bon Dieu qui connaît le cœur parce que le sonde les cœurs et les reins. Est-ce que ça va? Alright. Donc, l'œil en maladie développée au niveau de l'esprit, ça veut dire la médecine pas qu'à comprendre. Il est au-dessus de niveau la médecine. Il était au-dessus de niveau un médecin général. Yon interniste, yon psychologue, yon gynécologue. Li au-dessus de yon psychologue, de yon psychiatre, de yon psychothérapeute. Le yon maladie développée dans le niveau ça, psychologue pas qu'à comprendre ni, mais interniste pas qu'à comprendre ni, pas qu'à comprendre ni, parce que ça c'est au niveau de l'esprit. Donc, comme yon maladie, ça yon, moun nan sentil bien, mais psychologue dit l'enforme. Li sentil bien, mais interniste dit l'enforme. Donc ça y a son seuil de maladie qui doit. Le maladie développé au niveau ça tout, en pile fois, li bord des choses qu'on pas qu'à expliquer par les simples lois naturelles. Par exemple, comment on capable imaginer par exemple yon moun qui gon douleur ou connaît que on a fait avec une maladie spirituelle, lor ou maladie a à voyager de temps en temps là. De temps en temps, et surtout, leur a prié. Donc, moun sa en pile, yon nan bagay qui connaît que yon maladie spirituelle, c'est comment réagir aux choses spirituelles. Est-ce que nous avons même? Ok. On nous dit, yon moun gen, on tête fait mal. Son tête fait mal, moun nan gen. C'est normal, n'importe moun ka gon tête fait mal à cause d'un problème nan kol ou bien à cause de stress, etc. Mais comment on voulait faire que yon moun gon tête fait mal? Tête fait mal là, qui l'a manifesté seulement l'aile de yon li bien. Depuis l'entrée dans la présence, mon Dieu, prie à marrer, tête fait mal. Est-ce que vous commencez à me dire là? Depuis mon apprend Bible, tête fait mal. Donc cela veut dire, s'il a réagi aux choses spirituelles, cela veut dire que c'est quelque chose de spirituel. Ou bien, ou mettez mes sous les mounes, dit, d'homme fait mal.
et pour mettre mon soudol ou dire au nom de Jésus, qu'on a dit pure forme, fait le mal. Ou dire au nom de Jésus, et puis qu'on a la landoa. Ça, ça veut dire, ça son bagage qui a marché. Est-ce que l'église commence à me dire là? All right. Ok. So, là, je parle de maladie, je dis, yo moun, maladie a sorti dans le corps, il est capable de sortir dans l'âme, ou bien capable de sortir dans l'esprit. Maintenant, qui ça qui provoque yon maladie? La majorité du temps, là nous développer des maladies, soit dans le corps, ou bien dans l'âme, ou bien dans l'esprit, nous, majorité du temps, gon loi spirituelle qui violée. Est-ce que nous avons même? Gon loi spirituelle qui violée. Ou gen doit violer délibérément, ou bien ou gen doit violer par, par ignorance, mais gon loi spirituelle qui violée. Youn nan bagay ki pou permettre ou vivre en santé. Est-ce que tout le monde a suivi bien? Si vous comprenez ça, vous me dites, fais ça. All right. Tendez. Mal dit ça, vous comprenez bien. Youn nan bagay ki edo marcher dans la santé divine, c'est comprendre comment chaque domaine dans la vie ou alimenté. Tendez bien. Gen trois parties nan ou, gen l'esprit, gen l'âme et le corps. Chaque partie sa yo joint la vie yo, chaque partie sa yo joint la vie yo nan yon bagay. Numéro 1, le corps. La vie du corps se trouve dans les plantes. Nous avons bagay ki fort. La vie du corps se trouve dans les plantes. Nous voulons garder deux versets bibliques. Gardez tout d'abord Genèse chapitre 1, le verset 29. Genèse chapitre 1, le verset 29. Ça, c'est le bon Dieu fin créé l'homme dans Genèse chapitre 1, verset 29. En nous toutes liés ensemble. Regardez qui ça bon Dieu dit. Ça c'est le bon Dieu fait créer l'homme. L'homme t'est dans le jardin d'Éden. L'homme t'est dans le paradis. L'homme pour le péché. En nous toutes liés ensemble. Regardez qui ça bon Dieu dit. Il dit, en nous lit fort. Qui ça dit? Voici, je vous donne, qui ça? Toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout qui ça? Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Et puis dit, Dieu dit, ce sera votre. Le bon Dieu fin créer l'homme, premier bagaille, libali, pour soutenir la vie du corps, libali les plantes. Pour y manger. Ou bien remarquer que bon Dieu pas de bail l'homme permission pour manger viande jusqu'à à peu près 1000 ans, hein? Ou vin ouais bon Dieu bail permission pour manger viande dans Genèse chapitre 9. Donc l'homme au temps d'Adam jusqu'à Noé, si on te respecte strictement la loi de Dieu, ou après remarquer que l'homme t'a mangé plante pour à peu près 1000 ans ou bien plus. Et sous remarquer entre Genèse chapitre 1 et chapitre 9, c'est là ça l'homme te vive plus longtemps tout. C'est époque ça y a autant de monde à vivre 900 ans, 800 ans, 400 ans, 300 ans, etc. Jusqu'à ce que dans Genèse chapitre 9, après le déluge, bon Dieu, balbaye permission. Pour qui raison? Bon, s'arrêter dans la souveraineté, bon Dieu. Mais, mais à l'origine, premier ordre que le bail, c'est ça. Donc cela veut dire que quelquefois, moins avant nous développer quelques vieilles maladies, c'est seulement si loi ça que bon Dieu bat dans Genèse, chapitre 1, verset 29, nous pas prendre en considération. Longtemps depuis on m'a porté feuille, ben moi je me dis pas cabrit. Yeah. Mais avec le temps, je viens apprendre. Plante ligue deux bagailles que le fait. Bon Dieu va nous plante pour deux bagailles. Attendez, avant d'entrer dans
avant de dire plus. Attendez. Ou ka manger en pile et puis ou fait malnutrition. Est-ce que là même? Est-ce que là même? On va prier pour guérison tout à l'heure. On va prier pour guérison. Mais bon Dieu te dit pour m'enseigner tout d'abord sur les lois de la santé divine. Attendez ça me dit là. Ou ka manger en pile et ou fait malnutrition. 80% bagay que corps besoin pour vivre en santé, yo tout joint yo dans les plantes. Majorité bagay que corps besoin pour vivre en santé, pi fort vitamine que corps besoin, tout dans fruits, dans feuilles, dans sojoin, dans pied bois. Donc bon Dieu bay l'homme plante pour deux raisons. Gardez Ézéchiel chapitre 47 verset 12, Ézéchiel chapitre 47 verset 12. On va remarquer que bon Dieu bay l'homme plante pour deux raisons. Numéro un, nous lit ensemble. En nous toutes les forts. Regardez ce que ça dit, il dit sur le torrent, sur les bords de chaque côté. Les dix croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Et puis regardez qui ça dit. Les dix, leur feuillage ne se flétrira point. Et puis regardez qui ça dit. Leurs fruits n'auront point de fin. Et puis regardez qui ça dit. Les dix, ils mûriront chaque mois parce que les eaux sortiront. Ok, next part. Sortiront du sanctuaire. Et puis regardez qui ça dit. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles. Gardez verset ça clair, kembel là. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Pour qui ça, bon Dieu, bah, les hommes plantent pour manger? Pour deux raisons. Numéro un, nourriture. Deuxièmement, médicaments. C'est pas mon cap de c'est la parole de Dieu. Bon Dieu, bah, l'homme plante pour deux raisons. Numéro un, pour nourriture. Majorité de vitamines que ou besoin, etc. Bagana manger, McDonald's, virer pas bon ici, etc. Majorité de ça besoin en termes de vitamines, mandez n'importe spécialiste en nutrition, vitamine A, vitamine B, vitamine C, etc. Toutes vitamines, majorité de vitamines qu'on besoin ou joindre dans les plantes. Et ces vitamines ça qui réellement nourrir le corps. C'est ça qui fait que doit manger en pile et pour faire malnutrition. Ou pour un bon hamburger, et puis avec Coca-Cola, et puis avec French fry, et puis vend tout comme ça, et puis. Et puis toute cellule dans le corps a mal nourri parce que bagasse n'a pas gagné vitamine. Bon Dieu, gardez le texte là, il dit l'a servi de nourriture. Les plantes ont nourri le corps. Deuxième bagage, remarquez qui ça y a fait. Les plantes, deuxième bagage, y a réparé le corps. Il dit leurs feuilles serviront de remède. Ça veut dire, lorsque vous mangez des plantes, vous mangez un médicament. Oui. Lorsque vous prenez laitue, lorsque vous prenez brocoli, lorsque vous prenez épinard, lorsque vous prenez bagage, etc. Nous avons fait un séminaire. Nous avons fait un séminaire avec un médecin très connu hein, aux États-Unis, toute la journée qui est dans PBS, un médecin qui est très très connu. Je ne sais pas monsieur converti. Mais pendant monsieur a fait séminaire là trois jours avec elle, et puis pendant monsieur a parlé, tant qu'il a parlé, c'est verset biblique seulement qu'a pensé la tête moi. Pendant monsieur a parlé, il y a un monsieur dit comme ça que bon Dieu créait le corps humain avec capacité pour le guérir tête lui. Bon Dieu créait le corps humain avec capacité pour guérir tête. Souvent, ou tant d'ailleurs dit ça, médecin qui a soigné, mais c'est bon Dieu celle qui guérit. Nous comprenons ça? Médecin qui a soigné, mais médecin pas qui a guéri. Yon médecin, quel que soit ça le café, il est capable seulement collaborer avec Kora pour aider Kora guérir tête. Les moun malades, qui prennent les bagages, les moun malades, presque n'importe malade ou fait, qui prennent les bagages, docteur Djou, yon Djou, brin, puis l'eau reposée. Vous voyez ça, vous dit? Parce que si vous reposez, vous créez les conditions qui permettent corps là guérir tête. Est-ce que ça va? Donc, monsieur a parlé, monsieur dit comme ça que bon Dieu crée corps là avec capacité pour guérir tête. Mais, il dit comme ça que
élément pour quoi guérir tête li faut gagner un bagage qui ba l'ordre et puis qui dit al réparer rein al réparer cœur al réparer jet al réparer cerveau pour le réparer tête li faut joindre l'ordre qui sorti un côté et puis médecin ça a dit dit comme ça que l'ordre ça c'est dans feuille il sorti ça veut dire conseil de feuille l'homme angel la lait li entre dans sang li active yon série de bagay et puis pendant abdomen nan nuit li dit comme ça al réparer ça al réparer ça al réparer ça mais c'est lorsque corps là joigne ça le supposé joigne là et puis il commence à faire travail. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Sou comprend ça m'a dit à dit gloire. M'gon raison que fait penser nous ça. Hein, gardez mon côté là, Dieu bon raison pour ça. Donc sou garder texte ça là. La Bible montre que plan fait deux bagailles. Numéro un, nourrir. Deuxièmement, il guérit. Dis deux mots sur la même. Dis nourrir, guérir. Nourrir, guérir. Nourrir, guérir. La vie du corps se trouve dans les plantes. La Bible dit comme ça que le bail feuille pour nourriture et pour guérison. Apocalypse chapitre 22 dit même bagala tout pour la guérison des nations. Donc, quelquefois, ou développer une série de maladies, une série de complications, c'est parce que malgré ou manger en pile, ou bien manger trois fois par jour, mais ça ou manger, il n'y a pas assez pour yo nourrir quoi, ni pour yo guérir quoi. Ça ou manger, il n'y a pas de capacité. Mais quoi, c'est plat de béquin, nous, papa? Li bon en bouche, mais qui problème li gagne? Li pas de capacité pour nourrir et guérir. Est-ce que l'église avait? N'a parlé de ça plus tard. La vie du corps se trouve dans les plantes, c'est ça que fait le Bible. Est-ce que n'avait là? Si nous comprenons ça, dit là. Est-ce que mettre avancé avec nous? Ok. La vie de l'âme maintenant. La vie de l'âme se trouve dans l'amour. La vie de l'âme se trouve dans l'amour. Manger quoi, c'est plante. Manger l'âme, c'est l'amour. Aïe, 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 il est épanoui, il est en santé, il fonctionne bien. Les noms n'ont joué l'amour, il est épanoui, il est en santé, il fonctionne bien. Amen. Si vous comprenez ça, me dit, dit gloire. Yeah. La vie de l'âme se trouve dans l'amour. Gardez 1 Jean chapitre 4, le verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14 avec. 1 Jean chapitre 3, le verset 14. En nous toutes liés ensemble. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la... Nous savons que nous sommes passés de la mort à la... Il dit, comment on fait comme ça? Parce que nous aimons les... Ah, font-y camper là. Comment fait qu'on est que nous passer de la mort à la vie? Nous passer de la mort à la vie. La Bible dit... Le nous remet frère nous. L'aurait mes frères, l'aurait mes sœurs, l'aurait mes moun autour de vous, gon bagay nan ou, li activé. Aïe. L'aurait mes moun qui bon côté ou mes frères, ou mes sœurs, ou mes papa, ou mes maman, ou mes moun qui autour de vous, li activé la vie de Dieu qui est dedans. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Est-ce que l'église commence à m'en dire là? Là où on vit nos environnements d'amour, où on bat l'amour, où on recevoir l'amour, lui relâcher la vie de Dieu dans l'amour. Et ça fait dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons les frères. Et si nous pas d'accord aimer les frères, qui s'est passé? Regardez qui ça le dit. Il dit, celui qui n'aime pas son frère demeure. Aïe, aïe, aïe. Demeure. C'est pas, et pas visiter la mort, non? Il demeure. Il fait Kaili dans le cimetière.
C'est maladie ça yo que médecin yo relé, m'di ou, psychologue yo relé, maladie psychosomatique. Maladie psychosomatique liée, qui origine yo? Majorité de maladies ça yo, c'est maladie qui reflétait yo manque d'amour. Le moun gen manque d'amour dans la vie, li tout les vin joué nous sous forme la mort. Qui leur parle de maladie psychosomatique. Qui sak bay moun maladie psychosomatique? Ou tant de moun nan fait, ou tant de moun nan fait tension, ou tant de moun nan fait stroke, ou tant de moun nan etc. Ou tant d'elle fait aneurysme, ou tant d'elle fait ACV, ou tant de veine pétante. Ça yo est, qui sak bay moun maladie ça yo? Comment yo? Sak bay maladie yo? Colère, sa colère yo. Manque d'amour, sa colère yé. La Bible dit celui qui aime son frère, il n'y pas mettre la colère. La Bible dit l'amour ne s'irrite point. Ça, donc ça le gagne. Qui ça la colère là yé? Yon manque d'amour. Qui malade, qui ça fait moun a gagné maladie, etc. À part de la colère, qui ça la maladie encore? Rancune. Refuser pardonner, refuser larguer, refuser oublier, refuser écrire. Qu'est-ce que ça va? Livin bon, la mort. Mais qui ça rancunier? Il y a un manque d'amour. Parce que l'amour pardonne. L'homme est rancunier, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour ou bien il manque d'amour. Et puis manque d'amour, ça, retourne vin joigne et puis il vient de la mort la caille. Parce que celui qui n'aime pas son frère demeure dans l'amour. Colère, rancune, jalousie, orgueil. Je pense que je suis au passé, je pense que je suis bien passé, ou pas rien pour moi, je garde quand on pile fatra. Le monde a gardé l'autre monde quand on pile fatra. Que sentiment ça a retourné sous forme de maladie ou bien forme de la mort. Le yon moun a humilié l'autre moun. L'on a humilié l'autre moun. Humiliation hein, a tiré maladie sous. Ou passe son moun ou garde le temps pile fatra. Ça a un tel pensé de. Etc. L'on pense au pi plus passe moun. Son manque d'amour et puis retourner sous forme de maladie et sous forme de la mort. Mikal, vous pas songez? Mikal, madame David. David a dansé dans la présence de mon Dieu, etc. Et puis le David entré la caille, la Bible dit comme ça, lui descend, lui dédébier David. Lui garder David sous côté, lui humilier David, lui dit comme ça, à la belle roi, t'es belle papa, pour la danser devant moun, tant que bagage, etc. Lui fait une remarque condescendante pour humilier David. La Bible dit depuis jour ça, trompe-lui tout fermé. Jour prononce ces paroles humiliation contre David, maladie a entré sous lui. Parce que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Ça veut dire même moment la mort vient chita la matrice manger, mademoiselle, il va jamais faire petite. Est-ce que les gens commencent à me dire hein? La vie du corps se trouve dans les plantes. La vie de l'âme se trouve dans l'amour. L'or est mémoun, et puis moun est mémoun, ou à vivre dans un environnement et pour épanouir. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort, de la mort à la vie, si nous aimons les frères. Youn baga qui montre que la vie de Dieu a fonctionné dans nous. Dans nous, c'est lorsque il y a l'amour. C'est ça qui fait ça, nous fait toute année dernière à penser, nous fait tout le mois proche, mois dernier à penser. Il y a plus grand bagage ou capable de faire pour tout. Il y a des gens, il y a un exemple. Gonti dame qui était l'église là, ça fait des années, n'est-ce pas? Il y a un cancer. It was a cervical cancer. Ok? She had a cervical cancer. Et puis, nous songeons, nous fait deux ans. Là, sa mamzelle était jeune, moi, elle était cadée à peu près, en tout cas, moins de 25 ans. Moi, elle était entre 23 ans et 25 ans, même quoi, 23 ans. Elle était hoche à l'église,
à peu près 23 ans, yo joigni avec cervical cancer. Nous songe équipe de prière l'église là, nous fait 2 ans, 2 years, 2 ans à prier pour mademoiselle, cancer pas jamais même esterné ban. Cancer pas jamais garder nous. Et puis yon jour, pendant ma prêcher sur la guérison, me prêcher sur le pardon. Et me dit gè kèk moun ki gè kèk maladie. Tout temps ou pas pardonner moun, maladie ça pas bral en ken côté. Parce que dans Matthieu chapitre 18, la Bible dit non qui t'est refusé pardonner frère là, la Bible dit roi te dit prends et puis jette-le au bourreau. Là yon moun pas d'accord pardonner moun, selon Matthieu 18, punition c'est que ou livré au bourreau. Yon bourreau qui ça le fait? Yon bourreau là pour le battre. Yon bourreau là pour le faire souffrir. Yon bourreau là pour le râler zon. Yon bourreau là pour le râler zon avec pince. Pour le fourrer aiguille dans géo. Yon bourreau là pour le collecter électricité. Yon bourreau qui ça le fait? Li là pour le faire souffrir. Jésus dit dans Matthieu 18: moun qui pas pardonné frère, sort li, c'est que livré au bourreau. Ça veut dire, moun ki pa pardonne moun ap souffri dans la vie. C'est Jésus qui dit. L'on moun pa d'accord pardonne moun ou souffri, ou souffri, ou souffri, ou souffri. Ou souffri. Bourreau sa yo ka pren n'importe forme. Et yon nan forme, bourreau a ka pren, li ka pren forme maladie. Et puis il faut souffrir. Après mamzelle fin tande fin fait enseignement ça. Sur le pardon, mamzelle qui te gen des personnes, li te gen problème avec yo pendant des années. Li quitte l'église al fond, li sorti l'église après ça le fond semaine, a marché différents côtés dans Miami, etc. La frappe porte kay moun ni pas parler avec yo pendant longtemps, rele moun ni pas trop longtemps, etc. etc. Mamzelle rele, m'pa jamais oublier ça, m'prêcher mais ça en novembre. C'était yon novembre m'prêcher, m'kwè à peu près novembre 2008 comme ça. On prêchait, mais même quoi, même 2008, oui, à peu près, more or less, ok? Novembre 2008, nous sommes prêchés message ça. En janvier 2009, 2 mois plus tard, mademoiselle vient de l'église là, il m'a demandé quoi pour le faire un témoignage. Le demande qui témoignage, que le fait, lui dit, dans le mois de janvier ça, lui dit, là, là, quand médecin, pour cervical cancer que le gagné, la lakay docteur, yo pas joué yon trace cancer. Sou comprendre ça me dit, a dit gloire. Ça veut dire, nous fait 2 ans à prier, en y pas bouger. Jou mamzelle pardonner, jou décide pratiquer l'amour, cancer là, vole gagne. Parce que ça fait la vie de Dieu manifester dans nous, c'est l'amour. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Est-ce que ça va? Regardez-moi quand on l'a dit, vraiment dans l'amour, avec l'amour de Jésus. Tendez, chers amis. Ma boyon deuxième loi là, oui. M'gata bon premier loi, oui. M'gata bon premier loi. Nous sous besoin en santé, au niveau du corps, manger feuille. M'gata bon premier loi. M'bon deuxième loi. Souvler en santé, au niveau de l'âme. Rémen moun. Rémen moun. Rémen moun. Refuser pardonner, refuser en fâcher, refuser gain haine, refuser ou comprendre moins qu'un des mouns dans cœur, refuser type de bagage. Rémen moun. Parce que la vie de Dieu manifestée. La vie du corps se trouve dans les plantes. La vie de l'âme se trouve dans l'amour. La vie de l'esprit se trouve dans la présence de Dieu. Ha, ha, ha.
La vie de l'esprit se trouve dans la présence de Dieu. Comment faire comme ça, parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle, 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 en elle était là. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. La vie a c'est dans la parole liée, la vie a c'est dans bon Dieu lié. Ça veut dire tant qu'on passe le temps dans la présence de bon Dieu, on passe le temps dans la vie. Chaque temps où aller en prière ou entrer dans la présence de Dieu, leur entrer dans la présence de Dieu, leur sortir ou sortir plus jeune, leur sortir ou sortir plus frais, leur sortir ou sortir plus bois, leur sortir ou sortir plus chalbert, leur sortir ou sortir plus rayonnant, ça fait ça parce qu'on sort dans la source, la vie. La vie de l'esprit, c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu est la source de la vie. Moïse fait 40 jours dans la présence de mon Dieu, sans manger, sans boire. L'œil sorti sous montagne là, la descend, visage li rayonnant, mon pas qu'à garder. Ça fait ça parce qu'il a été à la source de la vie. La vie. La vie. Chers amis, je ne sais pas si ça a jamais arrivé. Ou pas jamais tombé sous yon moun qui était l'église et puis qui vient chuter. Ça pas jamais arrivé. Regarde, on moun nous connecte l'église qui vient chuter. Et puis l'autre tombe sous les figues, blême. Ou pas, j'aime remarquer ça? Pas de monde qui remarque ça? Yon moun qui était dans Christ, et puis il chute, l'autre tombe sous lui, on dirait figue, blême, figue, freiné, figue, crasé. Li met tout maquillage. Mon senti gon rayonnement qui parle encore. Ou senti gon lumière qui parle encore. Ou senti gon présence, gon beauté qui parle encore. Parce que moun sa quitté la source de la vie. Bon, l'autre exemple. Pas gen nan nous qui là, pas gen nan moun qui là qui grandit ou te l'école avec tes amis ou avec zami ou converti ou nan présent Jésus ou nan présent Jésus moun nan pa nan Christ, l'on rencontre avec anciens amis et pour garder ou garder ou garder moun nan grand moun. Pas gen moun ki chanmwa ça, pas gen moun ki chanmwa ça. Et puis là, il dit, garde j'en frère, garde j'en figou, père, j'en ai qui m'a dit, parce que m'en sous la vie. Parce que m'en sous la vie. Parce que m'en sous la vie. Aïe, aïe, aïe. Oui, moi, quoi, c'est mettre la vie. Et moi, quoi, c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, de tout pouvoir. Et moi, quoi. Bon, trois secrets, m'a fini à voir soya. La vie du corps, lit dans les plantes. La vie de l'âme, c'est dans l'amour. La vie de l'esprit, c'est la présence de Dieu. Quel que soit, j'en busy, pas négliger présence de Dieu. Quel que soit, j'en occupé, pas négliger la présence de Dieu. Quel que soit, j'en grand pile bagage pour régler, pas négliger la présence de Dieu. L'or était dans la présence de Dieu qu'un maladie qui part entrer sous vous. L'or entrer dans la. Est-ce que tu as dit l'or était dans la présence de Dieu qu'un maladie qui part entrer sous vous. L'or était dans la présence de Dieu qu'un maladie qui doit finir diagnostiquer et puis il aurait été disparaître. Il disparaît. La présence de Dieu, bon, thérapie. La présence de Dieu, bon, x-ray. La présence de Dieu, bon, opération. Parce que lors de la présence de la vie, la mort pas arrêter.
C'est ça qui fait dans le tabernacle de gloire, nous encourager. C'est ça qui fait la gueule encore. Nous disons c'est pour chaque monde. Content le matin, ou pas que nous allons lever pour pas prier. Ou pas que nous allons lever pour aller travailler. Ou pas que nous allons lever pour aller faire ce que vous faites. Ou pas que nous allons lever à commencer la journée. Et pour pas passer temps dans la présence de Dieu. Ou pas passer temps dans la source de la vie. Ou pas passer temps devant le Seigneur. Parce que toute bagarre va bien là. Il va t'amener à la mort. Mais Jésus lui-même, lui-bas est la vie. La vie. La vie, la vie, la vie. Moi déclare Kotoya, moi déclare Kotoya, moi déclare Kotoya, moi déclare dans toute salsa, moi déclare dans toute salsa, moi déclare dans toute salsa. Pendant présence mon Dieu là, moi déclare la vie, moi déclare la vie, moi déclare la vie, moi déclare la vie, moi déclare la vie. Quel que soit malade ou qui est dans corps, quel que soit malade ou qui est dans jeu, quel que soit malade ou qui est dans dos, quel que soit malade ou qui est dans l'estomac, moi déclare la vie, moi déclare la vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pas qu'un qui sa docteur dit, moi pas qu'un qui sa médecin dit. Mais un seul bagage me connaît, n'a présent Jésus. Cancer, pas qu'à camper, n'a présent Jésus. Diabète, pas qu'à camper, n'a présent Jésus. Le sémi, pas qu'à camper, n'a présent Jésus. Maladie, foi, pas qu'à camper, n'a présent Jésus. Maladie de... Shekinah app. Téléchargez-le Kounia.